Yo tout le monde, c'est Migeek. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo, je vais vous montrer le parc Puy du Fou sur Minecraft créé par Attaque59. Il est juste là-bas, là-bas, là. Voilà, il va me laisser faire la petite visite tranquillement. Et bah c'est parti tout simplement. Du coup, on va commencer sans plus tarder cette visite du Puy du Fou. Donc, je vous avoue un truc, je l'ai déjà vu. Après voilà, donc je vous ai trouvé une superbe map. Donc voilà, on va commencer une petite visite. On a des plein de spectacles. Le parc n'est malheureusement pas terminé. Donc voilà. Donc on va commencer cette très belle entrée. Du coup, on va aller au restaurant, le très très beau restaurant. Voilà, un petit restaurant basique pour manger. Hein. Voilà, tout simplement. Le premier spectacle, nous allons nous diriger Mousquetaire de Richelieu. Mousquetaire de Richelieu, tout simplement. Franchement, rien comme ça, il est super stylé. Je sais pas comment il a fait, j'ai essayé de le faire, j'ai pas réussi. Donc voilà, comme ceci. Donc voilà, nous allons entrer à l'intérieur. Donc moi, je suis déjà allé, vous allez voir à quel point. Donc là, on a les toilettes. Les toilettes, bon après voilà, c'est pas tellement intéressant. Donc voilà, ensuite on va aller dans le machin hein, tout simplement. Donc voilà, voilà comment c'est fait hein. Écoutez, voilà la scène, et comme ça voilà, je me permets d'aller sur la scène, même si de base il me semble que je n'ai point le droit. Bref, donc voilà, ça ressemble comme ça le parc, enfin le parc pour l'instant, juste ce spectacle là. Donc on passe au prochain spectacle. J'ai un, donc voilà, bienvenue au Bourg 1900, c'est tout simplement magnifique. Donc ici normalement il y a les automates musiciens, ouais musiciens, les automates musiciens, ouais. Et ici on a le je sais plus comment ça s'appelle, les balais des sapeurs dans le, donc le créateur de la map est Attaque59, voilà, voilà, qui a créé également le puits d'attaque sur le lien dans la description de, bon là c'est fermé, ok, bon le lien dans la description du Discord du PC quoi, parce qu'il a fait exactement la même chose sur PC. Donc voilà, je vous mettrai le lien en description. Donc ici nous avons le secret de la lance, un spectacle magnifique. Un spectacle vraiment, vraiment. Ah bah voilà, il avait déjà baissé le machin. Voilà. Purée, ça doit être chaud quand même. Donc voilà, spectacle sur une dame qui après il y a plein de cheveux, etc. Bref, vous avez rien que ça là. Donc ça c'est un autre spectacle. Hein. C'est le dernier panache. Donc pour le dernier panache, ah voilà, donc c'est ici le dernier panache. Donc c'est un spectacle, en gros l'estrade y tourne et à chaque fois il y a un petit espace là. Ah ouais, c'est vrai que la sortie c'est là-bas. Donc voilà. Donc là, on a le grand carillon. C'est le spectacle de cloches. Donc je suppose qu'il a mis les des cloches, des cloches quoi. Hein. Voilà, des cloches de villageois. Ça, c'est censé être un spectacle. Je vous avoue, je n'aime pas tellement. J'ai pas vraiment kiffé le machin des cloches. Là je vous avoue, ah, là-bas, qu'est-ce qu'il y a là-bas, je vais pas vous le montrer tout de suite. Donc ici on a un autre spectacle avant de passer aux choses sérieuses. Voilà,
Donc ici, oups, non, si, nous avons les Vikings, un de mes spectacles préférés, je vous avoue, parce qu'il est, bah, il est magnifique, hein, il est beautiful. Voilà, il est magnifique. Franchement, il est super bien fait. Je sais pas s'il a fait le bateau dans l'eau. Il a fait même les rails, parce que là, normalement là-bas, en haut, il y a un bateau qui est censé descendre. D'ailleurs, il l'a pas fait. Mais non, franchement, c'est GG. Par rapport à ce que j'ai vu, GG quoi. Aux choses, mais magnifique, beautiful. Donc voici, je vous présente le signe du triomphe bien évidemment. Donc je vous présente le signe du triomphe, tout simplement magnifique, et il est magnifique. Et il me semble que c'était l'avant-dernier spectacle et que le dernier spectacle fait par attaque. Normalement il arrête de construire parce que bah, il est passé sur PC encore une fois. Malgré que sur PC, il y a clairement, je sais pas combien de serveurs. C'est vrai. Et bah, du chevalier de la table ronde va être l'avant-dernier spectacle, j'ai envie de dire, malheureusement. Parce que le dernier... Est-ce qu'on peut passer par là? Il me semble qu'il y a un chemin par là. Ok, je vais pas faire n'importe quoi. Parce qu'on a clairement vu. Hop, donc c'est ici. Hein. Donc là, je vais vous montrer les chevaliers de la table ronde. Comment c'est fait. Donc je vous avoue, cette vidéo, je voulais la faire plus tôt. Mais en fait, j'ai eu un peu... Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, il me semble ici, c'est les particules. Là. Ah ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Franchement, je sais pas comment il a fait. Mais c'est stylé. Ah, il a fait comme ça l'épée. Ouais. Bon, je me permets à chaque fois d'aller un petit peu sur. Sur... Bon, ça, je vais pas en montrer. Hein. Je vais me permettre un peu d'aller à chaque fois sur. Sur un peu le spectacle, voilà. Mais voilà, franchement, un autre spectacle. Ma foi, joli. C'est pas, il me semble, parce que moi, j'y ai eu accès. Ah non, je crois qu'il est ouvert. Ah, il est ouvert. Donc, mesdames et messieurs, pour ce dernier spectacle, malheureusement, ce dernier spectacle, oui, malheureusement, le dernier spectacle, je vais vous le montrer dès maintenant, le bal des oiseaux fantômes. Encore une fois, beau, tout le temps beau. Il fait tout le temps des trucs beaux, attaque. Je sais pas pourquoi, mais c'est beau. C'est beau à chaque fois. Mais oui. Donc là on a je sais pas, non mais franchement je sais pas comment il fait, mais rien que ça j'avoue c'est beautiful quoi. Voilà, donc on va terminer cette vidéo les gens sur le bal des oiseaux fantômes. Écoutez, une balle, un très beau bal, voilà, que je vais vous montrer ici, hop, en même temps. Voilà. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, en tout cas, elle m'a très très bien plu. On se retrouve bah, très très rapidement pour une prochaine vidéo. Hein. J'espère. Donc, il m'a dit du coup, le lien du serveur est dans la description. Il y a aussi le lien du serveur de mémoire Eric Geek. N'hésitez pas à les rejoindre. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Bien évidemment, vous abonner. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.